L'exploitation est une exploitation familiale sur 200 hectares dans le Perche, en grande culture. Et donc j'ai fait le choix de l'agriculture biologique au milieu des années 90. Et j'ai pris le temps de convertir l'ensemble de l'exploitation. Ça m'a pris 6 ans quand même. Le fait de passer en bio modifie un petit peu les pratiques et notamment la rotation des cultures. Donc j'ai introduit des nouvelles cultures dont le blé, le triticale, l'avoine, le colza, le tournesol, maïs, févrole. J'ai réintroduit également des surfaces fourragères, notamment de la luzerne, ce qui permet d'avoir une meilleure appréhension des problématiques techniques sans utilisation de produits chimiques. C'est ça qui est captivant, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun doit trouver la formule technique qui va être adaptée au contexte de l'exploitation. Donc le colza et le tournesol, j'ai choisi de les valoriser, c'est-à-dire les écraser à la ferme, les mettre en bouteille, et au-delà de ça, de distribuer ce produit soit directement aux consommateurs, soit dans des magasins spécialisés ou non. L'agroforesterie, c'est venu un petit peu par hasard, c'est le parc naturel du Perche qui a initié une journée d'information sur ce mode de production. Entre les arbres et les cultures, il y a une symbiose qui va se créer. Donc l'idée, c'est de planter des lignes d'arbres de façon à produire du bois d'œuvre qui sera exploitable dans, je dirais, une quarantaine d'années. Que ce soit le bio, l'agroforesterie, l'huile, le magasin, la ferme, ce sont des événements ou des choses avec mon épouse qu'on a fait évoluer au fur et à mesure du temps. C'est d'opportunisme dans le sens où à un moment il y a une opportunité qui existe et je teste. Est-ce que c'est une conviction au départ? Non. Maintenant, oui. Ce qui est sûr, c'est que les attentes des consommateurs sont de plus en plus exigeantes en termes de qualité. Donc là, de ce côté-là, je pense que le bio a une longueur d'avance.